よう、ザックス。戦争、終わっちまったな。そうなんだよ。俺の活躍、聞いただろ。いや、それが全然。社内報には名前も載ってなかったぞ。テレビは、セフィロスの活躍のためって言ってるしな。だって、セフィロスは B 隊で。ま、英雄はメディアが作るってことさ。夢、壊すなよ。そう。おめでとう。君は本日付で。ソルジャークラスファーストに昇格だ。あれ、あんまり嬉しくない。無理もない。いろいろなことがありすぎた。ザックス、早速だが頼みたいことがある。また俺に任務を押し付けるつもりか。悪かった。いいけど。任務の内容だが、その前にザックス、ブリーフィングルームへ行ってクラスファーストらしい服に着替えてきたまえ。君がザックスか。そうだけど。クラスファーストにはマテリア合成の使用権限が与えられる。おお、でどうせメインメニューを開いてみたまえ。マテリア合成が選べるようになっているはずだ。早速この2つのマテリアを合成してみるといい。マテリア、何か知りたいことがある。
Bon bah désolé les amis, je viens de me rendre compte que le micro n'était pas branché. Donc là j'ai parlé dans le vent depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Bon bienvenue à tous, hein, un petit peu en décalé. Bon je recommence pas le début parce que bon voilà c'est dommage quand même. De toute façon bon là vous avez pas loupé grand chose hein, dans les commentaires. Hein. Il s'était pas passé grand chose. Donc la fusion de matériel de toute façon vous avez vu, hein, ça s'est affiché à l'écran, y a pas de souci. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la suite du let's play sur Crisis Core Final Fantasy 7 Réunion. Du coup, alors là, dans les objectifs. Alors d'ailleurs, juste que je regarde les messages. Annonce au personnel. Ceci est une annonce officielle concernant les employés suivants. Angel Houlé, soldat première classe mort au combat. Genesis Rhapsodos, soldat première classe mort au combat. Ouais, on sait qu'ils sont pas. Qu'ils sont pas vraiment morts, hein, en fait. Hein, voilà. Qui sont plutôt rebellés, hein, on va dire. Donc du coup, là, en objectif. Ah non, fallait que je parle au... Ah non, fallait que j'aille là. Ok, briefing room. Ok. Non, non, j'ai tout compris sur la fusion de matéria, c'est bon. Pas de soucis. Alors j'en profite, si vous voulez soutenir la chaîne les amis, hein, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et lâchez vos commentaires. Hein. Oui bien sûr, on peut voilà, expérimenter des choses hein, pour voir ce que ça donne au niveau de fusion des matérias. Alors il y a des matérias qu'on peut pas fusionner ensemble. Hein. J'imagine que les matérias de Jesper, on peut pas les fusionner déjà. Voilà, donc là maintenant on va partir en mission pour la quête principale. Alors, retournez au bureau du directeur du soldat. Oula, il y a plein de... Ah mais non, ça c'est les tutoriels, ok. Je croyais que c'était des nouveaux messages. Par contre... Ah pourquoi il y a un point d'exclamation ici là? Est-ce que j'ai loupé des trucs? Ah par contre c'est un petit peu chiant quand on bouge le perso, voilà. Alors peut-être dans la boîte là, il y a un truc à récupérer. Voilà, pendentif étoilé, ok. Donc j'ai bien fait d'y retourner, il y avait un truc à récupérer. Donc du coup, dans l'équipement... Alors par contre, accessoires, je ne peux toujours en utiliser que deux. Alors, pendentif étoilé. Augmente l'esprit de 20, immunise contre l'altération d'état poison. Ça c'est bien. Bon, ça baisse la constitution si je prends ça. Et si j'enlève celui-là... Ouais, mais c'est bien d'être immunisé contre poison quand même. Hein. Bon, dans tous les cas, c'est une question de choix après. Hein. Non, il n'y a pas de coffre là, je crois. Hop. Et pourquoi il y a encore un point d'exclamation? Ah, je comprends pas. Il y a encore un truc à récupérer? Ah, lui, c'est un truc au... Ok. Soldier,
僕は仲間の足を引っ張ってばかりで、さっきだって先輩にと。おいおい、ソルジャーなんだろ。でも次の任務でダメだったらクビだって。でもうここまで頑張ったんだろ。すみません。はっきりしないやつだな。だったら代わりに。Ah d'accord, du coup voilà, il va nous donner une mission en fait quoi. 内緒だぞ。俺のやり方を。はい。Ok, une nouvelle mission est disponible, mission 7-1-1. Ok, d'accord. Donc là, du coup, logiquement, voilà, là, le point d'exclamation, c'est viré. Ok. Donc j'ai bien fait, j'ai récupéré une mission en plus. Une mission secondaire. Hein. Alors maintenant, donc, ouais, que je prenne les autres portes. Avant d'aller là, je vais quand même voir les autres portes. Il y a peut-être d'autres missions à récupérer. D'accord, donc en fait, je peux rentrer quand même, quoi. J'ai pas le droit, logiquement, mais je rentre quand même. Alors là, il y a un truc à récupérer aussi. En tout cas, il y a un truc important... En termes de dialogue, bon là je peux lui parler quand même malgré tout. Ah, c'est le professeur Ojo ça. Ah, une expérience. Allez, je vais tenter. Voyons, qu'est-ce qui va se passer là? Comme combat. Bon, c'est comme si j'étais en mission en gros. Bon, ça va, c'était pas dur. Allez, on continue. Bon, désolé les amis, avant de faire la quête principale, là, du coup, je me suis lancé dans l'entraînement avec Ojo. Il va peut-être nous donner une récompense sympa, ça se trouve. Ah, vu que j'ai fait un coup de grâce avec magie, j'ai mes PM qui ont pris 10%. Qui sont reconstitués à hauteur de 10%. D'accord, ok. Bon, à mon avis, ce sera le dernier combat. Parce qu'il faut que je prouve que je suis un soldat de première classe. Alors, qu'est-ce qu'il nous a réservé? Un esper, peut-être, non? À affronter? Bon, j'avoue, ça donne envie quand même de refaire le Final Fantasy VII Remake Part 1. On est bien dans l'ambiance Final Fantasy VII quand même là. Bon, franchement, ces combats ils étaient faciles. Hein. Ok, un programme spécial. Ojo, 博士,
Ah, je suis sûr que ça va être contre un esper. Ça se trouve, on va peut-être pouvoir débloquer un esper qu'on n'a pas encore. Allez, on va voir. Ah, c'est un behemoth. Oula. Ah, c'est sûr que contre lui, ça va être plus compliqué, je pense. Ah oui, il est plus résistant, effectivement. Ah oui, d'accord, il résiste à la glace. Ah, il est faible à la foudre. Les femmes de l'enfer. Heureusement j'ai l'esper Ifrit qui vient d'apparaître là. Il va me donner un petit coup de main. Que le behemoth il a l'air assez chaud quand même. Hein. Ah, il lui reste encore beaucoup de PV hein. Allez, transcendance, assaut explosif, niveau 1. Ah, pas mal, hein. Attends, j'ai pas le temps de me soigner. Non, j'ai pas le temps de me soigner. A chaque fois, il me touche le temps qu'il lance... Oh non. Ah non, je recommence. Hein. Alors là, c'est dégueulasse. J'ai pas eu le temps. Il a pas eu le temps de se soigner, Zach. Non mais, fous-moi la paix. Au moins, ça ralentit ses mouvements, j'ai l'impression de la foudre. Ah merde, j'ai plus de PM. Un éther, vite. Bon, la foudre, par contre, faut être plus proche, voilà. Ok, la transcendance. Ah, je suis dégoûté, il m'avait empêché à chaque fois de me soigner. Bon, il est faisable hein, quand même. Il est pas simple, hein, mais il est faisable. Putain, il est chiant. Allez, je suis trop loin là.
Ah merde. Faut que je prenne un éther. Oh là là, putain. En fait, là, ce que je me suis soigné, il me l'a re-enlevé. Honnêtement, de toute façon, le vrai danger, c'est quand on est au corps à corps, de toute façon. Hein. Mais pour la foudre, il faut être au corps à corps, sinon ça marche pas. Ah ouais, d'accord. Je m'éloigne un petit peu plus, là. Sinon, j'ai pas le temps de lancer le soin, voilà. Mince, j'ai plus de PM. Heureusement, j'ai des éthers dans le coin. En stock plutôt. Oh là là, putain, j'ai à peine lancé le sort de soin. Le bénéfice est foutu. Ah, j'ai déjà plus d'éther. Oh là là. Ça va vite. Oh là là, vite, 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 vite. Ok. Ah, Ifrit, génial. Bon, je sais pas si ça va l'achever, mais du coup... ça va lui faire mal. Ah, cette, vraiment cette invocation, elle est magnifique. Hein. Ah, j'ai vaincu, génial. Super. Bon, fallait être quand même précautionneux. C'est pas si évident que ça. Oh, il a un peu fêlé lui hein. Alors, Kunsel, j'ai vu Loveless. Genesis serait mort au combat, mon œil. Ils nous prennent pour des imbéciles ou quoi? Je suis allé voir Loveless à Midgard. Genesis était un grand fan de cette pièce, non? D'habitude, je ne m'intéresse pas au théâtre, mais là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Dans l'original, c'est l'homme qui est le personnage central, mais là, ils se sont concentrés sur la femme qui l'aide. Quand j'ai entendu la dernière réplique, bien sûr que je reviendrai, même si tu me promets, si tu ne me promets pas d'attendre, je reviendrai en sachant que tu seras là. La vache, je me suis mis à pleurer comme une fillette. Ok, d'accord. Bon, c'est pas ultra important, j'ai l'impression, ça. Du coup, donc là, on a fait ce qu'il fallait. Ah, il va y avoir un point d'exclamation quand on va sortir. Ah oui, c'est là-bas. Alors par contre, je vais quand même aller voir... D'abord, je vais sauvegarder, tiens. Ok, là il y a un autre truc à débloquer ou à gagner. Donc là c'est la salle des matérias. Matéria には Kodai Shu ってのはこの星のいわば Kodai Shu が持つ第一星の力を自在に操る。ちなみに
Ok, donc lui m'a débloqué une mission pour Materia. Ok, donc on va pouvoir vraiment se lancer dans la quête principale là. Ok, allez, on va aller à la quête principale. Bon, y a Ojo qui m'a fait perdre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Alors, du coup, hop là. Allez, on speed un petit peu. Voilà, c'est ici, hein. Ouais, c'est ici. Alors, où voulez-vous aller? Bureau du directeur du soldat. D'accord, la compagnie a décidé d'éliminer Genesis et ses partisans. Ok, Angel y compris. Donc l'armée de la Shinra s'en charge, ok. Ah, ils me font pas confiance? Ouais, oui, comme oui, il est proche d'Angel. Ah, Sephiroth vient aussi. Ah, oula, il y a une alarme, un intrus. Ok, donc moi je dois aller à l'entrée et Sephiroth va aller protéger le président. Ok. Ah. Ah, la musique épique de Final Fantasy VII là. Enfin, une des musiques épiques, hein, évidemment. C'est pas la seule. Un petit peu réorchestré. Donc là, on va aller à l'entrée. Alors, se rendant à l'entrée. Ok, sans plus tarder. Ah, si ça se trouve, j'aurais peut-être dû sortir, il y a peut-être un truc à récupérer. Bon, tant pis, c'est trop tard. C'est pas grave. Ah, c'est des robots de la compagnie qui nous attaquent? Ah ouais, c'est peut-être Genesis qui est derrière tout ça, ouais, effectivement. Allez, on va se friter au Vengeur Genesis et aux robots. Alors les robots, évidemment, ils n'aiment pas la foudre, ce qui est logique. Ça fait des courts-circuits. Alors... Ah, un autre nettoyeur.
Ok. Il y avait quand même pas mal d'ennemis là. Hollander doit être derrière tout ça. C'est qui ça, ouais? Un scientifique de la Shinra qui a disparu après avoir volé la technologie de duplication. Ok. Ouais, ils sont peut-être associés, hein, Hollander et Genesis. D'accord, il veut se venger la Shinra parce qu'il a pas pu prendre la tête de l'unité scientifique. Ah, des clones de Genesis ont été aperçus dans le secteur 8. Allez, on va y aller. Ah, le secteur 8 relève de la juridiction des Turcs. On les avait pas encore vus ces deux-là, tiens. Ah, bon, lui, on l'a vu. Le troisième. 5. Reno, rude. Ah, c'est des personnages iconiques hein, aussi, quand même. Hein. Les Turcs. Hein. Elle, je me rappelle pas, Gisney. Peut-être qu'elle est pas dans FF7, mais que dans Crisis Core. Alors, Gisney, c'est Cisney ou Gisney? Cisney, j'ai l'impression. A été ajouté à l'OCN. Nouvelle technique de transcendance est disponible. Bonnes étoiles. Ok. Le surplus d'émotions influe sur l'OCN. Ok. Alors, éliminer les ennemis de la rue Loveless. Ah, d'accord, oui, mais. On cherche Hollander. Ok. Alors la map, ouais, il y a pas mal de trucs. Ah, il y a des trucs en point d'exclamation orange. Des trucs à pas louper quand même. Et ouais, mais je peux aller aussi en bas. Je voudrais voir si. Quoique, faut éliminer les intrus. Alors je suis allé là. Par contre, j'aimerais bien. Je vais revenir quand même en bas. Vers le sud plutôt. Parce que il y a une zone à explorer. Et peut-être qu'il y a des coffres à récupérer. Même si c'est pas là où il y a l'objectif principal. J'ai envie de regarder quand même. La transcendance que j'avais activée lors du précédent combat n'a pas été conservée, hein. Donc faut l'utiliser vraiment de suite, quoi. Bon, là j'ai vraiment pas eu le temps de l'utiliser en tous les cas. Ah, bonnes étoiles. Ça fait quoi cette transcendance là?
Donc je pense que ça dit soigner. Ok. Donc je crois que ça fait pas de dégâts, mais ça soigne. Hein. Ce qui est déjà très sympa dans tous les cas. Bon là, il n'y a rien à récupérer. Ok, donc on va pas voir là. Ouais, donc il y avait même pas de coffre à récupérer. Après, il y a un escalier sur la droite. Je vais jeter un coup d'œil quand même. Non. Ok. Donc vraiment, fallait vraiment aller vers le truc principal. Bon, c'est pas grave. Pas de soucis. Alors, donc on va vers l'objectif, rue Loveless. Alors, bah, de toute façon, il y a des trucs à faire. Ah ouais, donc je vais aider un gamin qui a attaqué. Donc, on va dire c'est une sous-quête entre guillemets. Hein. Là, j'en profite vu que le coup en PA était nul. Ah non, c'était pas un gamin, c'était un homme, ok. Ah, et on a gagné une boucle d'oreille. Donc ça peut être pas mal hein, de faire ça quand même. J'aurais pu ne pas le faire. Hein. Ça aurait pas été embêtant pour continuer, mais là, il y a des trucs à récupérer quand même. Hein. Donc c'est pas inutile. Puis en plus on aide quand même des PNJ, c'est toujours sympa dans tous les cas. Sympa cette petite scène. Genre il est arrivé trop tard en fait. Allez, bonnes étoiles. Zack est niveau 13 maintenant. Ah, j'ai gagné une amulette. D'ailleurs, je vais regarder ce que c'est. Donc, équipement. Alors, l'amulette, boucle d'oreille, amulette. Ah, amulette augmente l'esprit de 30. Ah, il est pas mal ça. Et boucle d'oreille augmente la magie de 5. Mais ouais, l'esprit de 30, c'est énorme. Ah, j'ai bien fait, hein, franchement. Je vais juste regarder dans la boutique pour acheter des éthers un petit peu. De toute façon, j'ai des gils, pas de soucis. Hop là. Comme ça, on a de l'avance un petit peu. Alors, il y a 6 snakes qui se fait attaquer.
Elle a un peu une arme comme Yuffie en fait. Ah, c'est Genesis. Là, c'est le vrai, hein, je pense. Hein. Ah, un clone. Ah, bah il est habillé pareil pourtant. D'accord. Il a pas de faible. Oula, faut vite virer son ses barres là. Oula, il nous fait canicule. Oh, ça va, il me reste encore beaucoup de PV. Ah oui, j'ai même de l'excès en fait. Ah, c'était peut-être avec Bonne Étoile que j'étais en excès. Bon, c'est la scène de tout à l'heure, ça, c'est bon, on passe. Voilà, du coup, simple, hein. Il m'attaque même pas. Allez, un petit coup d'épée pour finir. Ah, j'ai obtenu une matéria barrière physique. Donc ça, je pense que c'est une matéria qui protège, hein, enfin, qui diminue les dégâts physiques, je pense. Ah, une aile noire. Bah c'était vraiment un clone parce qu'il a une aile carrément. Bah, c'est vraiment un clone réussi du coup. Ah la musique. Les ailes symbolisent la liberté, oui, c'est vrai. De ceux qui n'en ont pas. Alors j'ai gagné quoi? Une nouvelle boutique est disponible. Ah, matériel du bureau d'investigation. Bon, la mission était pas très dure en fait. Hein. C'est plus dur de battre le behemoth. Hein. Alors dès que le secteur 8 sera nettoyé, rendez-vous au réacteur Mako numéro 5. Angel a été aperçu. Ok, donc c'est pas fini. Génial, on va échouer. Ah mais il aime bien Angie, donc voilà, c'est son pote, hein, donc voilà. C'est compliqué, hein. Quand tu dois te battre contre un ami, c'est compliqué. Réacteur Mako numéro 5. Ah, l'ambiance des réacteurs Mako, c'est stylé quand même. Hein. Très stylé. Chapitre 3, réacteur Mako numéro 5. Bon, par contre, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 50 minutes de let's play. Ça fait déjà une grosse vidéo. Du coup, je continuerai à cet endroit-là la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire, hein. Likez la vidéo, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Lâchez vos commentaires. Moi, du coup, je vous dis à très vite pour faire la suite. Dans le réacteur Mako, hein, numéro 5. Et prenez soin de vous, jouez bien, et à bientôt, ciao.